Je m'appelle Anaïs, je suis télésecrétaire au niveau de GESCOL Lille. Ça va faire 6 ans que j'y suis. Alors on va dire que je suis une secrétaire plus, parce que je ne fais pas que de la prise d'appel pour les patients. Je gère également le service client ainsi que le service commercial. Ce n'est pas juste la prise d'appel. Quand il y a le service client, j'aide les médecins s'il y a des problèmes sur leur agenda. Je peux transférer à certaines de mes collègues qui sont aussi sur d'autres agences. Au niveau du service commercial, je viens en aide pour la prise d'informations au niveau des praticiens qui souhaitent travailler avec nous. Chez GESCOL, il y a des évolutions de poste. Donc à la base, on fait surtout de la prise d'appel pour les patients, mais on peut également prendre des appels au niveau du service client ainsi que du service commercial. Au quotidien, on a plusieurs types d'urgences. Donc après, c'est à nous de savoir les gérer correctement. Donc dans un premier temps, on peut, si on le souhaite, joindre directement le praticien pour voir directement avec lui. Ou il nous arrive également d'appeler directement le SAMU et de mettre le patient directement en lien avec le SAMU. Alors au quotidien, on a une relation particulière avec les médecins car nous sommes des secrétaires aussi dédiés pour certains de nos médecins qui nous appellent également par nos prénoms. Et j'ai même eu le droit à une petite attention d'un médecin qui m'a envoyé une boîte de chocolat juste pour moi. C'est possible de télétravailler, après il faut avoir déjà un minimum d'expérience. Et donc moi, grâce à ça, je suis en télétravail les 3/4 du temps. Ça ne m'empêche pas d'avoir une bonne relation avec mes collègues qui sont sur place et je viens leur rendre visite au moins 2 fois par mois. Nos horaires sont adaptés. Si nous avons une contrainte pour un rendez-vous médical, on peut facilement avoir des horaires adaptés pour cela. Alors, il ne faut pas se poser de questions. Je pense que quand on a un bon relationnel, qu'on a envie aussi d'évoluer, d'apprendre des choses au quotidien sur la médecine, parce qu'on évolue tous les jours, on apprend des nouvelles choses. On est là aussi pour épauler toutes les nouvelles secrétaires qui veulent intégrer la société.